vous souvenez de ma dernière vidéo où j'essayais de cacher le soleil avec un mur géant pour plonger la map de Fortnite dans l'obscurité totale? Eh bien là, j'ai eu une idée encore plus folle. Je me suis dit, et si je recouvrais entièrement la map de Fortnite? C'est pas la pire idée du monde, ça? Bah sûrement que si, mais je me suis dit, vas-y, je vais quand même le faire. Alors j'ai commencé à construire un mur tout autour de la map de 37 structures de hauteur. J'ai donc fait 37 fois le tour de la map pour construire étage par étage. Ensuite, quand j'ai terminé, là, je me suis dit que le plus dur était passé et que le plafond allait se construire rapidement. Mais c'était carrément plus dur et plus long que je ne l'aurais imaginé. À ce moment-là, j'étais vraiment à bout et dépité d'avoir eu cette idée carrément folle. Mais comme je suis un mec têtu et que je suis déterminé, je me suis dit « vas-y, je continue ». Après plusieurs heures et au bout de 89 allers-retours pour construire le plafond, il s'est passé quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. J'ai reçu un message m'indiquant « mémoire faible ». J'ai fait « what the fuck ?» et peu de temps après, j'ai été déconnecté de la partie. Ok, j'étais choqué, mais en même temps, je me suis dit que c'était cool d'avoir été aussi loin et que enfin le calvaire se terminait. Au final, c'était encore une idée de merde et qui n'a pas fonctionné. Alors si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça pourrait être fun et intéressant à tester. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, en combien de temps ai-je réalisé cette folle expérience? Le premier qui donnera la bonne réponse gagnera un pack de skins sur Fortnite. Code créateur SCS.